À ce jour, les États-Unis subissent les pertes économiques les plus élevées au monde dues au phénomène météorologique dangereux. En 2023, le pays a battu un record du nombre de catastrophes ayant causé des dommages supérieurs à $1 milliard. La fréquence, l'ampleur et l'anormalité des catastrophes climatiques continuent de croître rapidement. En 2023, en Chine, les dommages économiques causés par les catastrophes ont dépassé $47,5 milliards. Plus de 1 400 000 maisons ont été endommagées, dont 209 000 totalement détruites. Les catastrophes naturelles dans le pays se transforment en véritables désastres à grande échelle avec des conséquences critiques. Les habitants de la péninsule arabique sont habitués à un climat sec et ensoleillé, mais récemment, la région subit une série de tempêtes sans fin avec des pluies et des grêles anormales. Le 9 mars, à Dubaï, il est tombé presque la moitié de la pluviométrie annuelle en seulement 6 heures. Le 16 avril, une violente tempête a provoqué un effondrement total dans plusieurs régions. À Al Ain, Abu Dhabi, en seulement 24 heures, il est tombé l'équivalent de 5 années de précipitations. C'est un record national depuis le début des observations.